Bonjour, comment introduire une zone de texte dans un texte Word 2007? Allez cliquer sur la barre de menu, le menu Insertion. Dans le menu Insertion, sélectionnez Zone de texte. Dans Zone de texte, vous avez des zones de texte prédéfinies. Je vous conseille plutôt d'aller dessiner la vôtre librement. Donc cliquez sur la ligne Dessiner une zone de texte. À ce moment-là, vous avez une petite croix qui s'affiche. Sélectionnez, dessinez la zone de texte que vous souhaitez, mais vous pouvez la modifier de nouveau comme vous le souhaitez. Et écrivez à l'intérieur ce que vous souhaitez. Par exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Une fois que la zone de texte est dessinée, je peux la définir comme je veux et la positionner absolument où je souhaite. Si je clique à côté, voilà ce que ça donne. Si on souhaite enlever la bordure, rien de plus facile. Cliquez droit sur la zone de texte, clic droit. Ensuite, format de la zone de texte. Et là, on peut définir donc pour la ligne, la couleur de la ligne, éventuellement aucune couleur. À ce moment-là, la zone de texte est invisible, mais cela dit, elle est toujours présente, bien entendu. On peut toujours la déplacer. On peut également, en cliquant droit, format de la zone de texte, on peut définir la couleur de la ligne, le remplissage, ou on peut éventuellement aller cliquer sur l'un des petits boutons qui se trouve tout là-haut, qui sont des zones de texte avec de la couleur.